Fait partie d'une association de la moisson et on a un service qui s'appelle SOS Domestique. Et ce service est fait pour les personnes âgées. Eh ben ça c'est formidable, ça c'est bon à savoir, ça sur la région. Ça c'est très très bien. Et donc toutes les personnes qui vous accompagnent là, font partie de cette association ? Non, pas du tout. Bon, ben... Il y a une seule personne. C'est Firmin, pardon. Firmin, c'est monsieur. Voilà. Et la ville de Florange donc est partenaire bien sûr puisque vous avez vous êtes investisseur si je peux dire dans le projet. Vous avez participé avec ce district. Alors, c'est pas un district, c'est une communauté d'agglomération et à ce titre on est partenaire comme les 10 autres communes de la vallée qui font partie donc de la communauté d'agglomération du Val de Fenche. Je pense que de toute façon le but, l'objectif de cette piscine, c'est une piscine donc on va dire ludique. Hein. Et effectivement, on n'en avait pas sur la vallée. Bon, quand on voulait une piscine ludique, c'était à Amnéville ou des choses comme ça. Bon, je crois que c'est intéressant d'avoir ça sur la vallée, d'autant plus que si on se place d'un point de vue écologique, ça fait quand même moins de kilomètres à faire. Donc on fera des économies de carbone et ce sera bon pour la planète. Ma descente, on va essayer de trouver un petit peu de monde là parce que c'est. Ah, je vois que ça sourit aisément. Bonsoir. Vos impressions sur ce démarrage de soirée ? Génial. Génial, hein ? Ça en grand, c'est super. C'est magnifique, hein ? Vous avez déjà vu l'intérieur ? Alors, moi, je connais la piscine depuis très, très, très longtemps parce que j'ai commencé à nager là, je nage encore et on a visité la dernière fois il y a à peu près une quinzaine de jours. Ah, oui, donc c'était déjà fini. Ah non, il y a 15 jours en arrière, on s'était dit ça va être chaud. Ouais. Encore. Il y avait encore un petit peu de boulot, ouais. Eh bien, vous avez participé un petit peu dans tout ça ? Ben, moi, je suis présidente du club de natation d'Ayange. Donc maintenant, j'ai participé avec mon comité à la structure, la mise en place du nouveau club de natation qui va regrouper toutes les piscines. Ah bah c'est très très bien, bah, on viendra vous filmer de temps en temps alors. J'espère. Ah bah, ça sera très bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée en tout cas. Allez, à plus tard. Et on continue tout doucement cette petite descente, progression dans la foule. Voilà. Il y a du sourire, ça bouge beaucoup, hein. Alors l'ambiance est bonne. Oui, bah pour l'instant, les gens affluent au fur et à mesure, ça se resserre, la chaleur monte. Vous êtes un nageur aussi ? Bah, je suis un papa de nageur. Non ? Un papa. Ah, un papa de nageur ! Votre fils appartient à la fédération du club. Voilà. Ok. Ah
bah ça c'est très très bien. Il va bien nager ici, je crois. Hein. C'était la préfecture. Voilà, absolument. Oui. Un petit mot pour notre caméra. Écoutez, je vous avais dit qu'on verrait avant, quand je suis arrivé. Grande satisfaction de voir en effet que on sait dans le Val de Fetch avoir un équipement que beaucoup d'autres environ. Je crois que c'est tout à fait complémentaire de ce que peut apporter cette région qui a tellement été forte sur le plan économique, qui a tellement souffert, mais dans laquelle il y a tellement et tellement de gens qui y sont attachés et qui ont besoin d'avoir des équipements de qualité. Et là, un magnifique équipement sportif. Je suis très heureux d'avoir accompagné les élus pour leur décision. Eh bien, je pense que les habitants peuvent vous remercier en tout cas. Et puis, merci à vous pour cette soirée, pour cette participation. Une ambiance très chaude, hein, très, très haute en couleur, mais c'est bien, c'est comme ça que les choses... Ça marque bien l'ambiance Lorraine. Absolument. Allez, bonne soirée à vous, bonne rentrée, au revoir. Moi, j'ai l'aspect de la soirée, je veux dire que c'est fantastique, mais c'est nous qui avons réalisé le projet en tant que directeur des sports, donc je dis que c'est un beau projet. C'est quelque chose qui a la dimension de la communauté d'agglomération, qui est ambitieux sans être démesuré, qui va pouvoir avoir du monde et qui va vivre bien, je pense que ça sera ça, parce que c'est une piscine actuelle où on peut y faire et de la natation sportive, de la natation de dilettante. Ça, c'est formidable. Moi, j'ai l'impression justement que vous avez boosté au niveau... Vous allez booster au niveau de tout ce qui est association autour de tout ça. Pas mal de monde en plus maintenant. Alors, le but, les associations, elles sont regroupées déjà. Elles sont regroupées en associations. On a créé un grand club communautaire qui va être sur les trois sites. Ils vont faire un travail tous différent dans les piscines. Donc le club communautaire important. Et ensuite, c'est le public qui va venir. Et le public, il faudra savoir le capter. Puisqu'on part quand même du prénatal jusque, je dis toujours, aux 100 ans, en passant par toutes les phases. Donc on va avoir tous les éléments possibles pour être bien dans une piste.